et plus de 3 mois, nous te fait venir ça que nous relis et juge de paix pour nous faire constat. Et après constat, toute autorité locale nous te réunis. C'est pendant que nous réunis hier C'est pendant que nous réunis hier, et nous avons apprendre que une tentative qui a fait pour ouvrir barrière. Et tentative qui vient pour ouvrir barrière. Nous-mêmes, nous sommes très motivés sur question ça. Et ça qui t'a fait que nous allons faire rencontre dans le bureau de l'excès douane pour nous fixer position. Pour nous dire comme ça que nous-mêmes comme autorité locale, nous faisons ta force pour qu'on y a été fermé, barrière pour être fermé jusqu'à ce que nous rencontrons pour ensemble de revendications que nous sommes capables de passer. Et tout le bagage sous contrôle. Malheureusement, nous virer. Et dans la caille, nous apprenons qu'il y a un groupe d'individus qui choisit ouvrir barrière. Et nous consultons entre nous. Et moi-même, avec le vice-délégué Harold Joseph, nous choisissons pour nous capables de retourner et venir fermer barrière. Et maintenant, nous là, nous parlons avec la police pour renforcer nous. Donc, position nous n'est pas changée. Donc, nous-mêmes, comme jeunes garçons, nous comprenons la situation, mais nous choisissons vous-mêmes. Nous choisissons vous-mêmes pour dignité, nous choisissons vous-mêmes pour faire respecter les valeurs nous, comme peuple. Parce que ce n'est pas possible et pour Louis Abinadel, j'aime toujours dire, faire même barrière sur nous sans explication. Il y a un bon matin que l'on peut choisir d'ouvrir. Et ceci, l'on peut l'ouvrir avec un mauvais propos. Et côté qu'il dit son couloir humanitaire. Donc nous-mêmes, nous toujours dit, Dominique, il n'y a pas de jambes ouvrir pour nous faire don humanitaire à nous. C'est une relation commerciale que nous gagnons. Et par rapport à tout ça, Abinadel fait dans la question frontière, nous dit que le moment arrivé pour Katla rebattre. Katla doit rebattre, j'aime toujours dire là. Il faut qu'ensemble des conditions nous respectent parce que même les gens qui ont bon marché frontalier, nous avons un bon lac à nous. Il faut au moins que nous mettions d'accord qu'il y a un jour pour nous, un jour pour nous. Il faut au moins que les questions visa réglées. Façon qu'il y a de porter haïtiens, de mettre 30-40 haïtiens dans la machine. Ce n'est pas possible parce que nous toujours dit que l'on n'a pas de papier, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de droit. Donc, on a un droit quand même qui doit respecter. Il y a ensemble des choses qui doivent respecter. Les Dominicains ont un paquet de produits. Ban nous sans contrôle n'a consommé pendant ce temps si ça que nous gagne yo qui de qualité d'ailleurs parce que tout le monde connaît sans pas faire publicité qui ça va bon pour faire prestige pour un meilleur bière qui gagne donc c'est des bagailles que nous gagne qui est interdit qui pour entrer donc ça yo faut au moins que nous conditionner yo pour que barrière ouvert donc nous dit que position nous pas changer comme ça de là faut que et bon gros rencontre qui fait côté que tout de l'état au Chita autorité locale yo prend part pour ensemble de revendications que nous gagnons ensemble de revendications que société civile la gagne les respecte sinon et depuis son groupe nèg qui gagne intérêt et qui gagne gros intérêt dans question frontière qui a toujours venu avec que bagaille ici et cadna pour au moins que yo rentre de force il y a toujours joine on maïs à Ocelite qui campait en face parce que nous pas ca ouvrir barrière tête baissée. Et qui suivi qu'a fait après tentative ça que fait là. Bon, matin là nous gon rencontre entre nous qu'a fait mais ça qui est important que nous présent sous pont pour nous rassurer population que c'est vrai que hier un groupe individu t'a fait tentative d'ouvrir mais matin nous même nous là nous rassurer nous que barrière fermée et nous même comme autorité locale non, tout encore nous allons réunir pour au moins que nous garder qui nouvelle disposition que nous allons prendre par rapport aux frontières. Vous parlez de rencontre qui était vous parlez de rencontre qui était gain hier, c'est après une première tentative. Oui monsieur venu ouvrir barrière et on était prendre pile temps le processus ouvrir pour que ça nous pas prendre disposition depuis le matin. Nous était là depuis le matin. Depuis le matin nous était là et barrière était fermée. Barrière était fermée depuis le matin et nous-mêmes nous était mobilisé sur frontière. Donc nous t'es seulement ouais que monsieur t'a fait une première tentative depuis à 5h du matin pour nous rassurer nous pas tant bien des autres qui fait
nous t'es obligé faire une réunion pour nous rassurer le directeur douane que mes positions nous pas changé comme autorité locale nous camper derrière deux populations qui dit que faut que revendication nous passer c'est là nous aller malheureusement incident lui-même lui passer et moi-même comme jeune garçon qui pas accepté pour barrière ou tête baissée nous retourner encore malgré risque de gagner ça nous retourner encore nous fermer lui et ceci que matin malgré toute menace nous présent bien bonheur pour nous dire population que nous-mêmes nous là et nous ferme ce position recevoir menace par rapport de menace que nous recevons c'est de par rapport à appel que nous avons recevoir de monde que nous pas connaît monde que nous pas identifié mais nous pas peur ça qui est important nous pensons que nous défendons une question de dignité donc moi même pour gagner relation commerciale entre deux pays mais moi dit que relation commerciale là faut ligner avec respect faut au moins que revendication nous passer pour au moins que yo pas traiter nous n'importe qui gens et surtout nous toujours dire pour n'importe jour que nous choisissons un deuxième canal, un troisième canal, pour Louis Abinadel apprendre les leçons, pour le connaître que Rivière Massacre pas bien privé, son rivière qui passe sur tous les pays, même si nous avons 11, nous avons 11, nous avons 12, nous avons 13. Magistrat, vous parlez de tout ça, vous parlez de tout ça, vous parlez de jusqu'à présent, que nous n'avons pas une idée, mais ça qui était important, nous avons pris un juge de faire un constat qui est fait. Donc c'est ensemble nous allons prendre des dispositions pour nous comprendre ce qui passe à très bien, mais ça qui est certain, nous-mêmes nous campons là et nous mobiliser pour nous dire que malgré les tentatives que nous faisons, la barrière a toujours été fermée jusqu'à ce que bon, c'est la justice qu'on est, moi-même comme magistrat et vice-délégation, ministère commerce, équipe qui fait task force là, nous choisissons pas baisser les bois. Et question barrière ou tête baissée, moi je dis non. Et cette barrière ça a toujours fait l'ouvrir par rapport aux Haïtiens qui ont sorti volontairement, Haïtiens qui ont quitté la République dominicaine volontairement, nous-mêmes nous obligés de recevoir les revenus. Mais question pour moi, que barrière ouvre, qu'on a dans le couloir, soi-disant couloir, ça a créé là, donc nous disons nous pas là dans l'île parce que donc faut que nous revendications nous passer pour au moins que barrière ça ouvre. Parce que les journalistes qui sont victimes, comment comprendre ça? Donc moi-même, je suis des journalistes victimes, je suis des victimes parce que je ne sais pas si vous avez dit ça, moi-même, c'est un journaliste. Pour me dériver magistrat, c'est le travail que je fais dans les médias, qui était toute potentialité qui fait que je dis à mon magistrat. Donc les journalistes victimes, une victime, tout c'est que un monde qui est journaliste, ou un journaliste, même penser que vous côté que les gens qui ont un comportement privé, puis vous comprenez que pas de pays dans le monde là qui a développé sans la presse. Magistrat, les journalistes sont en danger, oui, non, madame? Oui, nous connaissons. Nous prenons notre dessin et dans la rencontre que nous allons faire ensemble avec les autorités policières, nous allons insister sur ça pour qu'il y ait une protection pour les journalistes parce que aujourd'hui, il y a un secteur qui connecte la population qui soit dans l'autre département, yo, qui est dans la diaspora avec Wanamet par rapport à la bataille de dignité qu'on a fait. Qui est dans la question frontière, qui est dans la question canal là, c'est la presse. Et travail ça, on va croire qu'il y a des gens qui ont récompensé nous. Et pour ça, donc plus gros et récompense que nous avons, c'est respect. Et respect ça, l'ouvrir absolu, parce que au 21e siècle, la presse pas doit persécuter pendant la fête de la République. Magistrat. Magistrat, et il y a des gens dans la diaspora qui dit qu'il y a des dispositifs de la police. Et comment faire un groupe de monde juste venir ouvrir la barrière là comme ça sur la police, sous la police, côté la police? Bon, je vais capter commenter ça, yo, parce que je dis ça, moi-même, c'est le mal qui te frontière. Et qui ont fait tentative là, mais ça qui est certain, côté ma prêté, là, pour me dire que nous n'avons pas de problème pour barrière à ouvrir, mais barrière pour ouvrir les que nous rencontre qui fait formellement, côté que ensemble de revendications que nous gagnons au passé. Sinon, la toujours comme ça, quel que soit nek qui veut ouvrir le défense, ou passer sur cadavre d'abord comme magistrat. Magistrat, est-ce qu'il y a une enquête qui déjà l'ouvre pour pousser le groupe individu ça qui t'a commis ça? Nous avons dans la limite, nous avons fait ça que nous avons pour nous faire. Nous avons relevé un juge de paix qui te font constat que la justice fait travail, mais même m'a fait travail moi. Et la douane a fait travail, la vice-délégation a fait travail. Mais ça qui est certain, c'est l'intérêt collectif là. L'intérêt collectif là,
c'est faire respecter la dignité. Nous, et pour ça, nous avons gouverné jusqu'au bout. Merci. Rappelez-nous tout le monde. Non, Pam, c'est au sein de destinée, et m'a rappelé ça, c'est mais à